En fait, il y a pas mal d'activités pédagogiques qui sont proposées pour les enfants. Puis, aller faire rue de ce genre de choses. Enfin, après, on a l'habitude de faire les fêtes médiévales ou les conventions, des choses comme ça. Et là, je m'intéresse surtout, oui, à la fabrication des aubers, des épées, à tous les travaux et tous les métiers qui étaient impliqués au Moyen-Âge. Et je trouve ça vraiment passionnant parce que tous les gens qui sont là sont passionnés, donc ils expliquent volontiers, c'est très bien. Moi, je suis membre de Tailler des Stocks, donc c'est une association de pratique et de partage des arts martiaux historiques européens. Donc c'est une discipline mi-sportive, mi-scientifique, dans le sens où on pratique des arts martiaux qui ont été pratiqués dans la région géographique européenne et qui ne sont plus pratiqués. Après, ça inclut absolument tout ce qui peut être imaginable, puisqu'on a on a aussi bien de l'épée, donc pour ce qui est médiéval, que de la lutte, mais à travers toutes les époques.